Zozo sanjo la yo Papa yo bonga na kembo Alleluia Zokuta yo zambé Zambalone Mokonzi kati kati ya mitema Yabana sanjane Zokolo kolo biboye Zokope sipe Zokope sa mololo Zokope sanse yo Nous pouvons l'acclamer plus fort au moins. Yes, amen. Profitons pour saluer le couple pastoral, pasteur Ruffin de Matadi, Montagne. Souvenez, montagne de Sion. Oui, pasteur Ruffin, maman jolie, merci d'être là. C'est la surprise que vous nous avez réservée. Mais tant mieux, merci. Ok, nous n'allons pas tarder parce que nous avons besoin de la parole. Et le messager, il faut qu'on lui donne un peu son temps parce qu'il va prendre la parole et pouvoir... terminé, je crois, 17h40. 40 ou 45, je crois. Nous sommes dans la joie. S'il vous plaît, veuillez recevoir l'intervenant du jour que nous connaissons bien. Il prêche bien, il parle bien. Nous parlons du diacre Goda Namouisi. Gloire à Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous associons aux acclamations les cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie ce soir? Oh, alléluia! Nous poussons les cris de joie pour Jésus. Il est Dieu, il mérite les cris de joie. Nous lui donnons l'offrande d'acclamation ce soir. Alléluia. Bethele maboko bien. Alléluia. Bakisa milolo likola maboko wana parce qu'il est Dieu. Il nous aime, il est merveilleux pour nous. Il nous fait du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Tu es Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Ce soir, nous venons te dire merci parce que tu es Dieu. Tu nous as aimés, tu nous aimes. Tu nous as fait du bien, tu nous fais du bien. Et tu nous feras encore du bien. Ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en signe de reconnaissance, Jésus? Ce n'est nos actions de grâce. Parce que ce que nous sommes, ce n'est qu'une grâce. Nous sommes là par grâce. Ô faveur imméritée. Père, nous n'avons rien mérité. Ce que nous sommes, c'est ta grâce. Rien que ta grâce, Jésus. Et la vraie grâce comprise par l'homme pousse à l'humilité et à l'adoration. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous élevons ton nom ce soir. Bénis ce moment, Jésus. Je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi ce soir. Parle à ton peuple et bénis ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit, toi le coordonnateur des affaires de Dieu dans ces derniers temps, glorifie le nom de Jésus ce soir. Au nom de Jésus, Église, nous disons Amen.
Reprenons nos places. Gloire à Jésus. Que le Saint dise Amen. Topé Sinzambe, merci. Bon, mon colomala, ma paix Sibiso. Le Dieu qui a voulu que tous à la Nessika Oyo, nous lui disons merci. Azalokumu, Pweta Bongi Nango. Nous disons merci à papa et maman pour cette marque de confiance. Des fois, les mots nous manquent. Nous vous disons merci, papa et maman. Nous sommes reconnaissants que Toyaka Awa informe et vide. Amen. Ce que nous sommes, c'est le travail que vous avez fait. Que ce Dieu-là se souvienne de vous. Merci aux hommes de Dieu. Merci à vous aussi, Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire un texte au Toye Biango Malamo. Toye Biango Bien. Tu récites à Rangokout. Mais ce soir, je crois que le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Jean 9, nous commençons au verset 1er. Et comme il passait, il vit un aveugle, né de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant: Rabbi, qui a péché, celui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha à terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme et mit la boue sur ses yeux et lui dit: va te laver au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Il s'en alla donc, se lava et revint voyant. Le voisin donc, c'est qui l'ayant vu auparavant, savait qu'il était mendiant, dire: n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et il dit: c'est moi. Il lui dit donc: comment ont été ouverts tes yeux? Il répondit et dit: l'homme qu'on appelle Jésus fit de la boue de la terre et oignit mes yeux et me dit: va à Siloé et lave-toi. Et je m'en suis allé, je me suis lavé et je vis. Ils dirent donc: qui est cet homme? Il dit: je ne sais pas. Nous pouvons continuer jusque là, mais on s'arrête là. Amen. Église, amen. Amen. S'il y a un thème que je peux donner dans un message, l'homme qui s'appelle Jésus. Amen. L'homme qui s'appelle Jésus. C'est de lui qu'il est question ce soir. Église, nous disons amen. Tu as une histoire au bien. Cet homme est né aveugle. Abotama amonate. Et les disciples l'ayant vu, ils demandèrent à Jésus: nanya soumouka po abotama aveugle. Et ça va botina yé toye. Amen. Partant de la question, bon, et ça, si je ne dis pas pourquoi le thème, j'ai compris que
bana ba kon souffrir parce que ba parents de basala ki mabe. Amen. Parce qu'on pose la question, qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il soit né avec lui? Yesu a dit, non, ce n'est ni ses parents, ils ont coutuyé. Mais ça pour qu'un bon ensemble, un bon isama dans zela naï. Amen. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas devenu aveugle, il est né aveugle. Il ne voyait pas. Azako yoka kaka, mais ne voyait pas. C'est vrai, à un certain âge, les parents prenaient soin de lui. Mais comme il a un niveau moral, il doit se débrouiller. Parce qu'il a grandi. Amen. Et comme il ne voyait pas, Moussa le tigalara moko la mendicité. Amen. Il est devenu un mendiant. Bisenga senga. Et Zala qui rêve n'a été azala mendiant la vie, non. Mais état n'a été indi à comme mendiant. Le fait d'être aveugle est indi à comme mendiant, à comme kosenga. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais un ami aveugle. Papa le connaît aussi. N'a quand même la Salem, mais il est déjà mort. Il s'est transcrit tout à qui a joué sa prince. Un jour, j'essayais de lui parler de Jésus. Il me dira, Goda, tu peux tout me dire sauf ma kabwanzam. Qu'est-ce que je fais moi? Tu vas dans la mon akayote na yuka kaukaka. Qu'est-ce que je fais à ma bébé pour nous à la boue? Lui, il était aveugle à partir de 9 mois. Lampe tempête qui pembeni ndekonaya betango likolo pétrole les yeux na lisu oyo. Après quelques temps, liso ekufi. Amen. Aveugle. Et à 9 ans, orphelin. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans sa vie? Sauter les biloko, il faut y bisailler. Ah oui, zaboy, ah oui, zaboy, ah oui, zaboy. Sauper au longoliango, il y a des biloko ça. Et tout ce qu'il recevait, ça, oh, ils ont la volonté n'a été. Amen. Parce qu'il ne voit pas. Parce qu'on peut sailler. Mais j'ai voulu que tu as l'accès à Yesu à boy. Amis, jamais je souffre et je sais que toute ma vie n'a pas à la bouille. Tu me parles de Jésus, l'église. Amen. Je me suis dit, non, il faut qu'on atteigne. Qu'est-ce que je fais? Ma petite, qu'est-ce qu'on a comme mon ingana? Si on a l'ingana, il faut qu'on soit bilamba. Il faut qu'on soit là. On a repassé. Un jour il me dira, mais où ça l'anga ma kambo po nani? N'habite po onga nazana ye alingi yo. Et nous sommes venus à l'église comme ça. Bien aimé, une vie limitée parce qu'il ne voyait pas. Oyo ya zozoa, et ça oyo ya zo désiré te. A zozoa, oyo batuba zo pesaye. Oyo sa volonté na ye te po, bo yo zo salate, ozo mon ango pete. Quelle souffrance. Il est là. Amen. Amen, église. Donc quelqu'un qui souffre à cause de son état, que lui n'a pas demandé, on nous dit qu'il est né aveugle. Combien de fois que tout le monde a le boulevard wana? Combien de fois va finir à ma canabat? Ce sont des gens que la société méprise.
Si on tourne vers mon frère, yo quand tu vas voir l'ingai passe à la barre, non. Amen. Non. Et cet homme souffrait comme ça, un aveugle, mendiant. Beaucoup de gens se sont fait ça à cause de joie. Et ça l'a mabé, et ça l'a malam à cause de joie. Église, amen. Mes gloires sont rendues à Jésus. Un jour, il était là, dans le poste. Parce que ça n'a pas dit là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais ce jour-là, Christ, Jésus-Christ arrive. Amen. A Koutani Liboso Naye. Les disciples ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui. Amen. Atien a mis. Aïe, va te laver au réservoir de Siloé. Bien aimé dans le Seigneur, il n'a jamais vu Siloé parce qu'il est né aveugle. Quand Christ a résisté Lazare, il a dit aux disciples, déliez-les et laissez-les aller. Mais l'aveugle de naissance, Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il entendait parler de Siloé, mais la direction, il ne connaît pas. Mais il saisit la parole. Amen. Il saisit la parole. Va, il saisit cette parole. Et quand il se met à marcher, c'est bien près la direction de Siloé. Lui ne connaît pas Siloé. Mais la parole qui a été, il ne reconnaissait Siloé. Bien que la parole a pris la direction de Siloé. Bien que la parole, dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit, j'aime la version semaine. Ta parole est une lampe qui guide tout mes pas, une lumière sur mon sentier. Même si je ne vois pas, la parole voit. Même si je ne vois pas, la parole voit. Bienvenue dans le Seigneur. Christ a libéré une parole et la personne a saisi la parole. Se dirige vers Siloé. Il a rencontré Jésus. Et Jésus a libéré une parole. Bienvenue dans le Seigneur. Abandonne. A commis-tu na Siloé? Comment il a su que c'est ici Siloé? Bienvenue dans le Seigneur. Parce que celui qui était en lui. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La direction que tu ne connais pas, la parole connaît. Bien-aimé, il est allé à Skomiga na Siloé, à Sukolim, à Bandikomona. J'aime cet homme. Au lieu à continuer, côté à Nakunate, à Balouki, bien-aimé, quand en Zélo à Zakoyela, avec un Zélo, Nenzela battu dans Zalakanabango, à Bandikosong, à bien-aimé dans le Seigneur, enquête Bandi. Bien-aimé, à Zakota, on est en retour à Zotambola normalement. Et les gens se sont posés des questions. Ezayeto, Ezayete. La Bible dit, ceux qui le connaissaient auparavant, il y en a batouba, yébiyo le lot, n'engo sali, mais ce qui va arriver dans ta vie, il faut se poser des questions, c'est lui ou c'est pas lui. Bien-aimé dans le Seigneur, discussion bandit entre ma famille, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui, non, c'est pas lui. Lui, il est mendiant, mais celui-ci n'est pas mendiant, lui, c'est lui. Non, il lui ressemble, non, c'est lui. Ayogi a dit, non, ne vous en faites pas, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'aime la réponse. Cet homme était un adorateur bien-aimé. L'homme qui s'appelle Jésus, il voulait leur dire, Nazalaki na bino ba, tu boza ebele, na ba kombo na bino na zoa solution na problème na ngate. Na koutana na ba titre na bino na zoa solution na ba problème na ngate. Mais l'homme qui s'appelle Jésus, il est homme et lui s'appelle Jésus. Cet homme-là a pris la boue, il m'a mis dans les yeux, il m'a dit va. Quelle adoration! Il voulait leur dire,
vous êtes là, des hommes, mais au-delà de... Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rencontrer des gens, tu peux rencontrer des autorités qui battent sur le lingo yébi. Mais l'homme qui s'appelle Jésus, les gens peuvent t'aider, mais ils ne te donneront pas de solution totale dans ta vie. Mais l'homme qui s'appelle Jésus, lorsqu'il te rencontre, bien-aimé, la situation change, la vie change. Parce que lui, il est, lorsqu'il commence une œuvre, il achève. J'aime cet homme. Discussion est bandit. Enquête est bandit dans la vie. Donc les pharisiens voulaient que cet homme reste mendiant. Comment enquête et bandit la vie à Moutou? Pourquoi? Parce que Christ lui a fait du bien. Enquête et banda. La vie nao. Amen. Amen. Enquête et banda la vie nao. J'aime cet homme. Babengi baboti nae. Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que réellement il est né aveugle? J'aime la réponse des parents. Nous savons que c'est notre enfant. Nous le témoignons, c'est notre enfant. Amwa nanabisu. Mais ma kambe comme lié, toye biangote. Nous sommes de la génération de ce que l'œil n'a jamais vu, de ce que l'oreille n'a jamais entendu, de ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ah, mais c'est notre enfant. Mais ce qui lui est arrivé. Avec Dieu, bien-aimé, Dieu peut te prendre à l'ongolo na se, à commission à niveau moko, au batubako sosolayote. Bah non, lui il a fait ça. Il est magicien Belzéboul. Qu'il soit Belzéboul ou pas, c'est que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. L'homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, lorsqu'il apparaît, bien-aimé, les choses changent. Bien-aimé dans le Seigneur, Atikarabatuka Bongote. Et cet homme n'était plus mendiant. Amen. Oh, vous avez pesanga, vous avez pesanga, soutenga mon aoluga. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Lui ne voyait pas, mais il avait les oreilles. Amen. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et il a entendu une parole, va. Tu l'avais au réservoir de Siloé. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est la parole. Attache-toi à la parole. Saisis la parole. Médite la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où il y a des solutions. Pierre a travaillé toute la nuit. Tu es ma solo bien. Amen. Ce que mon pêcheur a pêché dans moi, aza amateur. Amen, Église. La vraie pêche se fait la nuit. Et Pierre était un professionnel. C'était ça son travail. Yeso kuta ya benga yena musala wa kuta ki wana. Mais ces jours-là, ils ont travaillé au moment favorable. Ils n'ont rien trouvé. Amen, Église. Au moment favorable, ils n'ont rien trouvé. C'est que Pierre, tant qu'on ne pêche, aye bi que na saison telle maye zala kaboye bambisi bazana ngambu boye na boso maye kiti bambisi basala bakenda boye. Quand Pierre fait ça, aye bi le quoi au sala, mais na temps favorable à Dieu l'autre. Amen. Pierre se met à laver le filet. Tant à Luc 5 on comprend, se met à laver le filet. Mais filet simba le auto sukula ngondeni. C'est que filet simba ibilo comme indésirable. Ba makasa ba nzete. Pierre a sukola filet.
en train de laver les filets. Mais de l'autre côté, l'homme qui s'appelle Jésus avait pris la direction de Pierre. Il arrive, il dit à Pierre, « Bon, paix, c'est la boîte. » Ma paix, c'est la boîte. À bandit côté. Et la question que je me pose est celle de savoir, est-ce que Pierre là où l'a namaté? Et les pentecôtistes ont la grâce à côté à Milaï. Est-ce que Pierre a nous la namaté? Toute la nuit, nous avons travaillé. Mais quand Christ termine le message, il dit, avancez à pleine eau et jetez le filet. Pierre lui dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Le moment favorable, nous n'avons rien trouvé. Mais nous avons avancé en pleine eau. J'aime Pierre. Pierre dit, je suis responsable. Moi, je pars, mais sur ta parole. Moi, je saisis ta parole. Bien, mesdames et messieurs, il saisit la parole de Jésus. Avancez en plein eau, jetez le filet. Qui a libéré la parole? Jésus. Il saisit cette parole. Pierre ne savait pas. Il était dilé Dieu. Lorsqu'il arrive là, les poissons ont compris que le maître est là. Nous devons aller pour adorer le maître. Jésus voyait les poissons. Pierre ne voyait pas les poissons. Quand il dit avance en plein eau, parce que Jésus voyait. Bien le Seigneur. Ma benda filet, moi, mon benda ngo. Exacté. Plein de poissons. L'homme qui s'appelle Jésus. Quelle quantité de poissons. Aujourd'hui, un moment favorable était. N'attends pas aux gens de l'eau, aux gens. Dieu est comme ça. Tu te dis, mais n'attends pas vraiment à ce que je fais dans un moment favorable. Tu as un diplôme, tu dois travailler normalement, mais tu n'as pas d'emploi. Quand à un moment où j'ai attendu Christ à Roya, Pierre va nous bénir, filer, à bengi ba voisin. N'abaho, je crois, bando sekai, ah, vieux le loi zuté. Bien aimé, une grande quantité de poissons, parce que l'homme qui s'appelle Jésus a libéré une parole. Ça, c'était la première pêche. Il y avait aussi une deuxième pêche. Dans Jean 21, le maître apparaît, alléluia, l'homme qui s'appelle Jésus. Il pose la question aux disciples. Enfin, avez-vous quelque chose à manger? Il dit non. Nous avons travaillé toute la nuit. Cette fois-là, il ne demande pas la barque. Alléluia. À Saint-Gibango, barque était. Pierre a dit, en plein honneur, de là où vous êtes, j'étais du côté droit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reste Dieu. Bois qu'un à côté droit, ma bois qui filait. Cette fois-ci, 150 gros poissons. Personne n'a dit que quantité, il a mis la qualité. Dieu peut te prendre de la quantité à la qualité. Jésus-Christ peut te prendre de la quantité. Et l'autre bâtonnier, ce bâton, ça n'a pas de côté dans le lune. Quand on a dit que l'autre bâton, mais à l'ongolo, la quantité, à côté de la qualité, tu commences à faire le choix. Tu commences à faire le choix. C'est la qualité. Dieu te prend de la quantité à la qualité. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il peut t'amener de la quantité à la qualité. Il est capable de te prendre à côté. 153 gros poissons. Bienvenue dans le Seigneur. Asuki wanate. Aibis bangoto kende. Venez. Babi mana ngambo boye. Bakuti poisson bien grillé na gâteau. Un repas préparé par le maître. Bien-aimé dans le Seigneur. Na quantité, na qualité. Il y a intervention par effort et amout. Ma casse amout. Parce qu'il faut qu'on l'oba. Il faut qu'on boit qu'à filer. Mais il y a une dimension dans la vie. Que Dieu va te donner ce qu'il a déjà préparé. Où tu ne fourniras aucun effort.
Bien aimé dans le Seigneur, Nzamba pression mosala oyemo kwa bongisa. Nzamba fungolo nzela oyemo kwa bongisa. Et four na yo ezana place wana te. C'est Dieu lui-même qui te donne quelque chose de bien préparé. J'avais dit à une sœur, au moni âge na yo Nzamba opesa fiancé te. Yo Nzamba opesa mobali. Oyemo kwa préparé à briser déjà. A façonné déjà. Père Bessio. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Saisis la parole bien-aimée. Attache-toi à la parole bien-aimée. Cherche Jésus dans sa parole. Il est là dans la parole. Abissi Josué. Josué croyait que on va lui donner les bâtons de Moïse. Amen. Normalement, il fallait presser les bâtons. Après ces bâtons, tu as habitué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Enfin, qu'on l'on en agnon sur ça là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est la parole. Nous devons nous attacher à la parole. Cherche la parole. Médite la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que tu verras le miracle. Amen. Josué comprend ma camboyo. Apprécie ma instruction. J'aime la réponse. Il y a le bon d'Israël. Dans verset 17, Josué 1, 17. C'est vrai, Toto aussi. Mais ce que nous te demandons, veille à ce que ton Dieu soit là. Tu veilles que Dieu soit là. Il a été avec Moïse, qu'il soit avec toi. Parce que lorsqu'on est à côté de l'homme qui s'appelle Jésus, lorsqu'on est avec lui, les choses changent, bien aimé. Ce qui est impossible devient possible. L'homme qui s'appelle Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ne cherche pas les noms des hommes. Alléluia. Batu bako sungayo, mais bako sungo bako zalana ba limite. Parce que bango pe bako sungo en fonction de la possibilité na bango. Mais Jésus Christ va t'aider en fonction ya bonzambe na ye. Et il est Dieu. Il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est avec les de naissance. Sa vie a changé. Non seulement il changea que comment il solo et abattu. Les hommes ont commencé à parler. Je viens dire à quelqu'un, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a des projets merveilleux pour nous. Il a des projets merveilleux pour nous. Attache-toi à Jésus. Ta vie va changer, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où Koutana na bata bimi sa parole batwana babika. Nani akoutana na ye? Atika la lulenga zalaki. Personne. C'est ce Dieu-là que nous adorons, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. J'aime la Bible. Quelqu'un m'avait dit, Abingana mupagano, ngana olonga, olonga nde niyo yebinzambete. Na kene na na moro na moni kuna bazo bouger de ce que vie exacte, bango bango sala sur le côté. Mais ngana na vie na olonga, quel refondima. Pour ceux là qui vivent encore de l'espérance. Mais le problème, c'est être en Jésus-Christ. Amen. L'homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, c'est avec le de naissance, sa vie a changé. Sa vie a changé. Il n'était plus mendiant, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que l'homme qui s'appelle Jésus l'a visité. Peut-être que tu te sous-estimes dans le lingo Zali. Peut-être Yahwa, malgré you, tu te dis nous sommes fatigués des discours. Tu as raison de dire ça.
Humainement parlant, tu as raison de dire ça. Mais une chose est vraie. L'homme qui s'appelle Jésus va te surprendre. Il va te faire du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cet aveugle n'était pas considéré par les hommes. Peut-être que tu es là, tu n'as pas de considération. Na makamba famille kutu ba benga yo te posa ne logo te olobani. Ça, ce sont les hommes. Notre Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Amen. Notre Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Ne te décourage pas. Amen. Il y a un Dieu vivant. Ne te décourage pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée va pesa que nyon so bazaro pesa hier. Il est pas aveugle. Hein? Mais jura yo kaki Christ, il a crié. Jésus-Christ, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, abwa kaki manto, il est parti. Christ a tuni olingina saleloni. Que je recouvre la vie na lembi vio yo. Tika na mona, pe a mona. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a un avenir pour toi. Je viens te dire ce soir, Jésus-Christ est là. L'homme qu'on appelle Jésus est avec toi et il va te faire du bien. Il va changer ton histoire là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Ali Kambalobi, Ali Kambalobi, Siko Jali. J'aime Jésus, la Bible dit. Sur le lieu de ta honte, je te donnerai double honneur. Lorsqu'il libère une parole, bien-aimé, la parole produit des effets. Ce n'est pas un hasard que tu as awa. Amen, Église. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Nous sommes là parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Qui nous... La Bible dit, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'attire. Donc c'est Dieu lui-même qui m'a attiré vers Jésus. Comme il m'a amené vers Jésus, il a un plan merveilleux pour moi. Il ne m'a pas appelé pour me faire souffrir. Bien-aimé, je peux souffrir pour un temps. C'est une école. Mais après la souffrance, il y a la gloire. Après la souffrance, il y a la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, ce qui est maillé le silinga, dans la photo, il y a papa na bomba. Il y a Kala na sinesta. Si on a tali, on a tali photo, on a tali papa. C'est un zambo au sala. Dans la photo, il y a bomba, il y a papa. Alors, il y a ensemble, il y a jaune, il y a lin. Il y a ceinture. Ha, na na ngo. Si on a tali photo, on a tali papa, le lo. Ah, rien. C'est que bien-aimé, alléluia, bien-aimé Tokokoma, un jour nous sommes allés à Boma avec papa, alléluia, bien-aimé, Tozokende na Banzela, Abi Azoke Laksanga Banzkota Tangaka, Tokot na Jeep, na retour Tozonga, Abi Misa phrase Moko, Nzelo na Zako Yango na Makolo, na Sak na Mutu, Lelo na Komo Yango na Jeep na Ngamoko, j'ai compris une chose. Alléluia, alléluia. Si mon père est béni, c'est que moi son fils aussi, je suis sur la même voie de la bénédiction. Comme lui, je serai aussi béni. J'ai saisi la parole. Il m'a appris Jésus-Christ. J'ai saisi Jésus-Christ et je marche. Comme Dieu l'a béni, il me bénira aussi. Je ne veux pas regretter. Je ne veux pas pleurer parce que je suis. Oh, alléluia. Ne si quoi à ma lame. Bien-aimé. Voilà pourquoi je ne cours pas derrière les prophètes. Hein? C'est vrai, il y a des vrais prophètes. Mais dans mon cas, il va faux balé qui. Va faux balé qui. Bien-aimé, attache-toi à Jésus. Ce qui est grave dans cette ville, il y a des églises où les noms de. Il y a pas l'idée de comment Matamakas combat Jésus et Zolimoi. C'est très grave. Amen. Non, alléluia. Je suis bien planté là. Alléluia.
Je suis bien planté là. Et la terre, elle est fertile. Elle est fertile. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu le dit, l'homme ne peut voir ma gloire et vivre. Il y a une place à côté de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Et les rochers, c'est Jésus-Christ. La gloire, ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. La gloire, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a donné un père. Amen. Et Nazara m'a també naïe. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ a libéré une parole. Et l'aveugle a été guéri. Et Christ a établi un homme ici. Amen. Il y a des choses qui vous semblent là. Amen. Il y a des choses qui vous semblent là. Il faut pas parler là. Il se revenu me voir. Bananana, bazo, bela, bela, nazo, comprendre, na tout, nous sommes baptisés au tel pour la banana. Autre habite à l'endette, tu vas dire, ah, matalikolo. Lucas enveloppe bien. Kende. Allo, bagalikolo, banana. Il y a des choses que nous négligeons, mais qui sont spirituelles, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous ne voyons pas Jésus comme ça, mais Jésus, nous le voyons à travers son serviteur, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tu vas dire, na bomba. Nasi na lembi 22h maman mon koti. Abi papa il faut na somba ndaku na boma. Mais avant na somba ngo yo folo ba bonda ko ezala maloba nao. Il faut donc n'était pas na nga siko mais la fantana ndaku na nga oloba. J'avais compris quelle dimension. Et nous sommes allés. Les maîtres sont disciples. Maître Meli fantanga Meli koka. Et bon, je suis un maître. Je suis un. Et nous sommes partis. Tout le temps, papa na Bakongo, j'ai vu des miracles. Il ne forçait pas les choses. Je lui ai posé la question, papa. Pourquoi tu as dit que il m'a répondu. Il m'a dit, pour vous, je suis pasteur, mais pour eux, je suis papa. J'ai compris la bénédiction du Père au Fils. Tu as combien de monde bien aimé dans le Seigneur? Maman, je suis dit, tu as la zemi. Oh, papa, tu as la zemi. Mais si tu as la zemi, tu as la semaine à l'hôpital. C'est que tu as commencé la semaine, c'est que tu as raté la bénédiction. Donc, tu as la zemi, tu as la zemi, tu as la zemi. Mais tu as la zemi, tu as la zemi. Tu as la zemi, tu as la zemi. Tu as la zemi, tu as la zemi. Tu as papa, simple. Oh, l'ingé salemelayo et salemelayo. Cette maman a fait une semaine avec nous. Tolongwe vendredi na mwanda samedi à Boti. Parce que l'homme de Dieu a libéré une parole bien aimée dans le Seigneur. Bien aimé, Nzamba tombe la ka moutoumoko pour na peuple mogoboui. Et peuple, il faut comprendre qui est cet homme. Aujourd'hui, nous voyons Jésus au travers de ses serviteurs. Il y a des paroles de bénédiction dans l'homme de Dieu. Frère, ce que le message de Moussa a raté bénédiction. Au moins, papa m'a dit il pigeon aïe na mutuka. Il est plus que ça. Dieu a dit à Joseph, je t'établis père pour Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois les directives de la bouche de l'homme de Dieu. C'est Jésus qui avait parlé, alléluia, à la fin de la naissance. Jésus parle au travers de ses serviteurs. Mais quelle est la place que nous donnons aux serviteurs de Dieu? C'est là où aussi il y a les problèmes. Quelle est la considération que nous avons à l'endroit des hommes de Dieu? Amen, Église. Amen, Église. Bien-aimé dans le Seigneur.
Nzamba benga Samuel, Samuel, Samuel. Samuel attendait la voix de qui? Qui appelait Dieu? Mais il entendait la voix de qui? Amen. C'est Dieu qui appelle. Qu'est-ce qui a fait que Nzambe a obéi à Amen? Samuel a eu mungongo ya. Qu'est-ce qui a fait ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que Nzambe a mis quoi ça? Non, ça c'est Dieu. Elle a compris. C'est Dieu qui parle. Bien-aimé, trois fois, ce n'était qu'un appel, trois fois, appel. Mais où est le message? Il n'y avait pas de message. Et pour recevoir le message, il fallait le mot de passe. Et le mot de passe était entre les mains de qui? De lui. Amen. Oyoka mungongo nani. Mot de passe est Zawa. Amen. C'est alors qu'il a reçu le message de Dieu. Le mot de passe est entre les mains des serviteurs de Dieu. Le yozoyo kanani. Église. Au moment où Jésus était là, là tu parles dans le tambo là. Au moment où salinaye. Et nous devons être attentifs aux directives venant des hommes de Dieu. Nous devons faire très attention. Il y a des choses. Oh yo. Papa, je me dis, mais comment? C'est Isaac, je crois. Tata Jacob na Esaou. C'est Isaac. Oui. Comment expliquer? Alimoti que la banane héritage abisi bango. Abisi Esaou. Lambelanga nyamandenge na lingaka. Comme ça na libéré. Akoye go presse mbamba kote. C'est son fils, non? Et quand Jacob a fait ça, moi je croyais que à Rotangelaye, au monifère Moïsana, plateau de Bateke, Nabangombe Nyosoana, Ozoyango, Wana Yayo, parce que Isaac était fortement riche. Il n'a pas donné de bétail ou de troupeau, il a libéré des paroles. Et Malobawana Poebima, il fallait qu'on stimule Yango. Esaou a raté parce que Jacob a sa formule. Le problème est ça. Moté mananga est sepela car n'a libéré. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu se réjouit, il y a des paroles de bénédiction qui sortent. Et en gros, il faut que ça soit fort. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ne soyons pas de problème auprès de l'homme de Dieu. Tu ne veux pas moi mater. C'est la parole bien-aimé dans le Seigneur. Amen, Église. Amen. Il y a une parole pour toi. Ne te décourage pas. Tu es fort bien-aimé. Cette vie, la Bible dit, ceux qui les connaissaient auparavant. Et ça n'a pas tout. Et ça auparavant. Mais l'obi, comprends ce parce que Zambo Zosale là. A Colombo la dimension. A côté la dimension en Kembo. Parce que y a Zambé. Ce qui est impossible aux yeux de mes possibles à Dieu. Il y a une parole pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime Jésus. Et si quand embouteillage, bien-aimé, la Bible dit, l'Esprit transporta Ézéchiel et le déposa. Et liba laissa y'en à corbeau. Côté de pas et outa qui est yé banité. Ce que j'ai dit, quand on a embouteillage, l'icolo embouteillage, j'ai raté. Je viens dire à quelqu'un, personne ne peut s'opposer à ta bénédiction. Lorsque Dieu décide, barrière moko ekozala te.
Lorsque Dieu décide, bien aimé dans le Seigneur, à ta téléphone, ayo ezalo bat, bako bengo na téléphone ya voisin, parce que c'est Dieu qui a décidé et que c'est ton temps, bien aimé dans le Seigneur. Ce Dieu-là est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Il le fera pour toi. Saisis la parole de Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Abandonne cette vie de désordre. Attache-toi à Jésus. Il y a une réponse pour toi. Il y a une réponse pour toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Non, ne te décourage pas. Oso kota makamusu parce que tu te sous-estimes. Non, il y a une parole pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Ata koutani na yo boyete, il va se disposer de telle sorte que et la maraye et bigi sa yopre et katawakila. La femme là n'avait pas vu Jésus comme ça. C'est par derrière elle l'a touché. Mais Jésus savait que Nzela wana moi si mo kwa zali a disposé robe na ye et commis ngaliema. Il y a une dimension bien aimée. Ba Pierre ba tambola na Jésus, ba vite que non il amba Jésus. Et là pour hôpital et obiki ça. Ne te compare pas aux gens bien aimés. Il y a un avenir pour toi. Nous nous tenons debout, nous allons adorer Jésus. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of